Bien bonjour à tous et bienvenue pour du LP. J'espère que vous allez bien. Pour l'instant, je suis en train de taper un putain de mob. Voilà, hein, c'était un squelette zombie modifié. J'espère que vous allez bien tranquillement. Moi, ça va, j'ai la pêche, j'ai bien dormi. Pour une fois, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, ouais. Donc, par rapport à l'épisode dernier, j'ai chassé un petit peu. J'ai chassé en compagnie d'un petit stream et puis on a chassé, on a exploré un petit peu les contours. Il y a un village qui se trouve par là-bas, il y a des beaux villageois. Il y a aussi d'autres choses, mais également j'ai surtout beaucoup miné, puisque il me faut du minerai, hein. Donc je suis déjà parti dans le nether, j'ai déjà la table d'enchant. Je vous ai évité en fait vraiment toute la partie des alentours et tralala. Bon, j'ai pas beaucoup, hein. J'ai vraiment, clairement, pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on va commencer un petit peu les machines et reprendre du open computer, parce que, sachant que je veux faire la maison le plus rapidement possible, faut dire ce qui est, le soleil se couche, je voudrais bien, alors ici, faire la grosse iron golem. Bien sûr, il n'y aura pas de porte, donc la maison, je irai la mettre par là-bas. Ouais, parce que par là-bas, je voudrais pas... Ouais, plus par là-bas, de toute façon, il faut pas qu'il y ait une seule porte. Alors du coup, comme la maison, je veux la faire quand même assez design, il va falloir sans doute des portes. Donc du coup, il ne nous faut pas de porte, sinon tout est changé. Voilà. Maintenant, ceci étant fait, bah allons-y, hein. Faut bien faire nos premières machines. Alors j'espère que j'ai largement ce qu'il faut pour faire toutes les machines. Parce que sinon je suis un peu dans la mouise. Cependant, avant on avait fait du... pas d'extra-U, parce que ça c'est pas tout de suite. Surtout pour voler, c'est surtout ça. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait... Ah oui, une ferme de bois. J'avais fait également... Bah, de toute façon, du bois, il y en a plein la jungle, hein. On essaiera de trouver ce qu'il faut. En générateur, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je sais que je voulais partir sur du IC2. Puisqu'on va avoir des gros trucs bien pétés juste après, donc du coup c'est plutôt pratique. Dommage qu'on ne puisse pas encore savoir les plates de ce truc. Watermill, ouais. Windmill, ok. Ah ça va, c'est plutôt... Ouais ça a l'air un petit peu plus... What the fuck. Iron, bronze, tin, pour te faire du mixed. Ok. Ah, oh, ça a changé. Advanced à l'œil. Ah ouais. Avant, c'était des plaques. Bon, alors, allons-y. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Advanced Generator. Je ne connais pas du tout. Je l'avais testé sur... comment ça s'appelle? Le truc que j'avais fait avec Pierre. C'était quoi? C'était... Le truc sur la lune. Je ne sais plus ce que c'est. Et j'avais commencé un petit peu ces quêtes-là au niveau des échangeurs, des chambers, bah, du mode Advanced Generator. Cependant, bah, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Advanced Generator. Generator. Pourquoi il y a Advanced Sword? Enfin bref. Dire j'en étais presque à là, moi. Ouais, j'en étais à là, mais pas à là. Ah, c'était une épée bien pétée. Mais on la refera, ça, y a aucun souci. On la refera, naturellement. Ah oui, ça augmente les, en plus les DPS. 1.6. 1.6. Au lieu de 6, tu fais 14. Ok, très bien. Donc, Advanced Generator. Comment ça fonctionne, ce truc? De toute façon, ils font un contrôleur de base, hein, donc du coup, je sens que ça va être cher en fer. En fer. Oui, ça va être très cher en fer d'ailleurs, en parlant de ça. Ah. Ah oui, c'était cela.
Ah oui, si c'est des plaques, l'autre c'est des lingots et tu fais cuire et là tu les fais compresser, d'accord. C'est pour ça qu'ils sont complètement différents les uns des autres. Ok. Bon. Ceci étant dit, on va passer plutôt à IC2, Industrial Craft, avec les générateurs. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il faut masse de fer. Évidemment, le fer, bah, c'est pas ce qui court les rues. Surtout pas moi. Donc du coup, c'est un petit peu gênant. Faut dire ce qui est, c'est un peu gênant. On va faire dodo. On va faire dodo. J'ai le bras et j'ai la côtelette en mode. J'ai faim. Donc voilà. Hop. On va le faire cuire plus rapidement. De toute façon, il va me falloir beaucoup plus de fer. Donc, pourquoi je fais IC2? Puisque il y a ce qu'on appelle une quarry. Une quarry. Pourquoi il n'y a pas la quarry? Ah non, la quarry, c'est Bullcraft. D'ailleurs, Bullcraft, il n'est pas censé être à jour. Ah, tiens, je vais aller vérifier. Je reviens. Bon, alors, non, Computer Craft n'est pas disponible encore à 1.9, il est qu'en bêta 1.8. Après, j'ai pas regardé réellement auprès du constructeur s'il a fait une alpha, on va dire ça. Oh, bah si, j'ai pas mal de choses ici, il faudrait que je les fasse fondre. Surtout de l'iron, ça m'en fait deux à chaque fois. Oh, bah si, c'est bon. Puis ça fait plein de diamants aussi. Donc voilà, ça va, il y a quand même pas mal de choses. Bon, là ça va en faire 8 et 8 16, ça fera 16 lingots. Ouais, ça va, c'est un bon début pour commencer. Donc voilà, sinon concernant la suite des opérations, tac, hop, on va faire ça comme ça, c'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus design, hop. Et puis une petite là. J'ai voulu faire du coup une Under Quarry, sauf que Under Quarry c'est Extra Utility premier. Et c'est pas le 2. Donc du coup, bah, je suis encore visé. Et du coup, j'ai pensé directement aux Turtles. Oui, parce que les Turtles, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles peuvent faire un minage de Quarry. Plus complexe, quoique c'est plus simple d'une partie. Ouais, c'est plus simple. Faut juste de la stone, de la glace et de la redstone. Bon, bah ça c'est pas trop un problème. De la stone ou de l'andésite, hein, ça marche très bien. Faut de la glace. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre ce qu'il faut. Oh, c'est bien, ça donne du. Ça donne de l'XP. Si vous voulez du fer, hein, généralement, aller dans le Nether, c'est nettement mieux. Surtout que maintenant, quand on repart dans le Nether, bah, maintenant c'est plus buggé. Avant, il fallait que je me découvre quoi à chaque fois, ce qui était plutôt chiant. Et puis maintenant, non, c'est bon, il n'y a aucun problème. Je vais en refaire 6 aussi en bas. Quoique, je vais en faire 4 de plus. Voilà. Comme ça on va en faire 8-8 et ça ne fera pas que du charbon pour rien. Ah! Oh, smelted glass. Oh! Oh yeah! Achievement gate. Oh yeah! Il n'y a pas une quarry. Et je suis quand même curieux, mais il n'y a pas une quarry pour extra U. Ah, il y a juste les. Ok, les wands. Ok, il y a ceux-là. Ah oui, smelted glass. Il y a de la brique, il y a de la clé, il faut faire de la soucoupe. Faut qu'il ait pas mal de choses. Enderman, Creeper, Ah d'accord. Endermite, Ghast. J'ai pas tué de Ghast encore. Ah oui, non, j'ai renvoyé la balle sur eux, mais je les ai pas killés à proprement parler. Slayer. Kill de 50 pigmen zombies. Ok, très bien. Ça devrait pas tarder de toute façon. Kill Iron Golem, kill de Snow Golem. Ok. Mining 200 cobalt, 20 times single session. Time the charm. Résister, mourir, ok. Drop the time. Ok. Ouais, bah c'est bien beau. Donc du coup, on prend tout ce qu'il faut. On va se faire une petite glace. Voilà. Touk. Oh, craft glass pan. Ok. L'inverse.
Voilà, j'ai mon premier computer, c'est juste un PC, hein. Avant, il y avait une autre texture pour le computer et je trouvais ça tellement mieux. Maintenant, il me faut du fer. J'ai bien fait de faire ce fer, en fait. En parlant de ça. Tac, tac. Tac, tac. Me faut du bois. J'ai largement ce qu'il faut déjà. Voilà. Hop, et hop. Voilà, j'ai une turtle. Mais la turtle, il faut bien lui donner du diamant pour qu'elle se fasse son minage. J'ai pas des sticks directement, non. Faut que j'en fasse. Hop. Des sticks, une pioche de diams et une mining turtle. Voilà. Donc, maintenant que ceci est en fait dans la main, elle fait fat, hein. Ouah, t'as vu, j'ai mon gros gant. J'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai. Enfin bref, du coup, ce qu'on va faire, sachant que cette turtle, elle va faire un réseau assez bizarroïde, hein, il faut dire ce qui est, je vais commencer à la mettre par ici. Alors, je ne sais plus dans quel sens elle part, par contre. Ça, c'est un autre problème. Je la mets, je la pose, je peux passer, easy. Je la setup, hein. Je lui donne un nom, donc label set quarry 1. Je vais l'appeler quarry 1, comme ça elle a son nom au démarrage. Quand on la pète, elle a son nom directement. Pouf. Je vais lui faire un edit. Oula. Je vais lui éditer son startup. Et ah bah non, je suis con. Exit, laisse, ouais c'est bon. Je vais lui faire un pass bin. Get, ça veut dire que tu le télécharges. Maintenant, il faut le code. Le code est le 8i 59 4 H M4. Et ensuite, je mets son petit startup. Voilà. En clair, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que maintenant dans le startup, en fait, j'ai téléchargé un programme qui date depuis plus de 3 ans, ce programme, mais qui marche toujours aussi bien. Toute cette ligne de programme fait en sorte qu'elle va miner en fonction de ce qu'elle a dans son inventaire. Quand maintenant je tape startup, voilà. Elle me demande directement la longueur. La longueur, bah, moi je veux un 32. En largeur un 32 également. La hauteur, sachant que c'est la hauteur qu'on est 66, que vous divisez par 3. Normalement 66, je peux le marquer. Voilà, 66 et même pas divisé par 3, c'est vraiment ce qu'elle fait. Placer du combustible dans le slot 1. Voilà. Elle me demande 22 528 coal ou charcoal, combustible en fait. Même du bois. Hein. Le bois, elle bouffe tout. Hein. Très clairement. Et du coup, bah, il faut que j'aille chercher tout ce qu'il lui faut. Donc, bah, ça va être un peu de la merde. Sachant que j'ai pas ce qu'il faut. Genre, j'ai pas d'XP quand je fais cuire du fer. Non, j'ai même pas ce qu'il faut. Oh. Ça va être un problème. J'ai une tonne axe. Ouais, je vais me faire directement la pioche en diams, la hache en diams plutôt. Parce que je vais aller couper du bois. Eh ouais, il faut que j'aille couper du bois. Alors, recall, il y a un enchant qui s'appelle recall. Recall, qu'est-ce que c'est? Quand vous lâchez, en fait, elle revient sur vous l'épée. Directement. C'est au cas où si vous fail dans un près d'une source de lave, en fait, ça revient directement vers vous. Ça, c'est plutôt sympa. Du coup, on va se coucher, hein, forcément. Pouf, hop, voilà, je vais prendre ma petite hache. Et puis bah, après cette hache, on va aller couper du bois. Donc, pourquoi couper du bois? C'est tout simplement, bah, comme le nom s'indique, hein, couper du bois, avoir du bois, faire du charcoal, avoir au moins les ressources nécessaires pour tout simplement obtenir pour la quarry. Enfin bref, je vais aller couper tout ça en mode solo parce que sinon ça va prendre des éternités. C'est vrai que j'aurais pu faire le système comme j'avais fait avant
du générateur de bois, tiens. Mais je sais pas, est-ce qu'on le fait? Moi je dirais que oui, comme ça en même temps pour moi c'est fait pour les prochaines fois si j'en aurai besoin. Comme ça j'aurai un surplus si éventuellement j'en ai besoin. Oh cool, t'es pop. Ouais, donc je pense que c'est ce que je vais faire et du coup on va préparer tout ça, hein. Parce que je pense que au niveau du fer et autres, j'en aurai pas assez pour tout réellement tout faire. Après, je sais pas si je fais du hook ou si je fais autre chose. Je sais pas. Enfin bref, du coup, bah, je vais couper tout ça. Hein. Je vais commencer les premiers crafts pour la ferme à arbres. Et du coup, je vous retrouve une fois que j'ai un petit peu fini tout ça. Oh cool, de l'insac. Ouais, j'ai killé un squid. Wouhou. Ah. Bon voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses, hein. J'ai pas mal de bois d'ailleurs en parlant de ça. J'ai 4 stacks et demi, ça devrait le faire largement. J'ai des pousses, j'ai quelques pommes, les sacs de la clé. Hop, ça je m'en fous. Donc voilà, j'espère que ça suffira. De toute façon, on va faire ce qu'il faut. Également, j'ai trouvé un spawner de spider que j'ai sécurisé. Comme ça, on est plutôt tranquille. Du coup, on va faire ce qu'il faut. Hein, on va se faire notre petite usine à bah, tout ça, quoi. Qu'est-ce que je peux jeter, ça? Et ça. Tac, je jette tout ça prend de la place inutilement pour rien. Ça, je m'en fous, parce que... Hop. Les pommes. Et puis, j'ai largement au niveau des saplings. Donc, du coup, c'est magnifique, j'ai 2 stacks. Alors, avant de passer, du coup, à la magnifique turtle qui se trouve là. Tac, tac, et puis tac. Sachant qu'il lui faut pas mal de... combustible. Ce qu'on va faire, on va faire cuire déjà directement ça. Hop, la baquette se met en place. Voilà, backup fini. Oui, au niveau des backups, j'ai vraiment sécurisé ce qu'il faut. Hein. J'ai pas envie de me refaire un baiser pour tout recommencer. Alors, ceci étant fait, maintenant, on va passer justement au wooden. comment ça s'appelle déjà? Progressive automatisation. Voilà, c'est celle-là. Oh, on peut avoir des générateurs de cobble. Ça, c'est magnifique. Stone miner. Hop, comme ça, on peut avoir de la cobble toutes les secondes. C'est pas mal, comme ça évitera de farmer de la cobble pour rien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, rotten mode. Ok, très bien. Du coup, on va se faire le wooden planter qui permet aussi de planter et faire tout ça. Donc, ah bah non, c'est pas le wooden planter. Ah, ça c'est cool. Ah bah oui, c'est cool. Ça produit des refs. Ça c'est cool, franchement c'est cool. Miner, non. Chopper, voilà, c'est le wooden chopper, bah, c'est une hache. Non, je vais peut-être pas mettre celle-là. Hein. Un break 10, ça pourrait être cool hein, néanmoins, mais... Witherstone. Diamond Stone, hein, donc c'est un diamant, une Wither, pour avoir un break 10. Avec ça, normalement, ça va tourner. Ah, mais bon. Donc, bah ça c'est cool. On va juste garder le charbon. On va mettre le charcoal à la place. Je préfère largement. Du coup, alors, il me faut du bois. Il me faut pas mal de bois. Il faut du bois, j'ai dit. Hop. Tac. J'avais une hache en bois, mais je vais préférer la faire là. Il me faut un four. On va faire un système d'inventaire. Tac, tac. Et normalement, c'est des bûches entières. Ah non. Ah si, c'est des bûches, mais ça doit être dans un ordre différent en fait.
Voilà. Wooden chopper. Maintenant, on va le passer en mode stone. Bah oui, il faut de la stone ou de la polyshed. Donc, j'ai de l'andésite, il m'en faut 7. Faudrait que je fasse cuire 3 de stone. 1, 2, 3. Là, pour avoir ça. Ah bah non, c'est de la cobble, je suis con. Je suis méga débile. Hop. Alors, je fais ça directement, c'est plus simple. 7. Hop, hop. J'ai ma stone. Autant que je passe directement au fer. Quoique, le fer, ça va peut-être me manquer. On va peut-être le laisser en mode stone. C'est préférable. C'est vraiment préférable pour l'instant. On va se foutre juste un coffre. Pour l'instant, quitte à l'upgrade un tout petit peu. Voilà, en iron chest. J'ai de l'or ou pas? Ouais, j'en ai 21. Ouais, je pourrais le passer en or. Ah, il m'en faut 8. On verra ça plus tard. Du coup, j'ai ça, il me faut ceci. Ah, et puis il va me falloir les stone upgrade. Heureusement, j'ai pas fait le fer, hein, parce que ça va être très très coûteux sinon. C'est tout simplement du wood. Tac, avec la redstone au milieu. Je vais en faire 8. Ouais, mais 8, il m'en faut vraiment 8 en masse. Voilà. Voilà, j'en ai 8. Que je passe en mode... Ah, c'est de la stone et c'est pas de la cobble cette fois-ci. Est-ce que la diorite, ça marche? Polyshed, diorite, machin et autres. Oh, c'est cool. Ça sert finalement de les garder. Hop. Voilà, 3. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Ah bah c'est cool. Voilà, comme ça j'ai largement ce qu'il faut. On dirait un bouclier quand on le tient, c'est fou. Tac et tac. Bon, bah ça c'est cool. Dehors par contre, il fait nuit, il y a des creepers. On va faire dodo, hein. On va faire dodo. Pouf. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Il faudrait qu'on prenne du charbon. Bah là, on va prendre le vrai charbon, tiens, pourquoi pas. Ceci étant dit, faudrait que je mette ma farm. Ah, quitte à avoir la farm au-dessus, en fait. Je vais juste buter le creeper là, parce que j'ai peur qu'il va me faire des dégâts, ce con. Surtout, j'ai pas désactivé les dégâts de creeper. Voilà, bah, il m'a quand même fait un trou. Pas du tout prévu. Voilà. La disparition de tous les blocs quand ça explose. Ok. Bon bah ça c'est bon. Donc on va se le foutre au-dessus de notre ferme de bois. On va juste se prendre. J'ai que ça comme terre. Waouh. Juste ça comme terre. Ouais, on va se le mettre juste au-dessus de nous en fait. Stone. Hop. Et puis ici. Voilà. Ça serait bien que j'ai un petit peu plus de terre. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est du nickel. Alors, tac. Ici. Là. 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 Ah, il m'en fait 9. Ok. Ok, bon, bah, ça en fait 9. Hein. Oui. Je suis content. Donc,
Bon, ça m'en fait que 9, donc du coup, ce que je vais faire, je vais en mettre que 8. Hop. Tac, tac, hop. Voilà, je vais mettre le coffre au-dessus. Pourquoi il m'en fait? Je sais pas, il a décidé de m'en mettre. Il devrait mettre juste de la cobble autour. Voilà, moi je suis sûr qu'il va pas en mettre. Ah. Bon bah finalement, hop. De toute façon, on va attendre que ça pousse, ça. Tranquillement. Voilà. Je vais mettre le surplus ici. Et la hache là, comme ça, il va peut-être la prendre automatiquement dedans. Alors là, il attend tout simplement que ça pousse. On va peut-être l'aider un petit peu, voir si ça fonctionne correctement. J'ai de la bonne mine, oui. Voilà. J'ai largement ce qu'il faut. Alors maintenant, c'est juste opération, est-ce qu'il va pousser? Bah ça, en fait, c'est bien beau, mais j'ai... Ouais, voilà. J'ai utilisé tout, mais... Le truc, il n'en a absolument rien à f. Ok, très bien. Bon, bah. On va attendre que ça pousse, de toute façon. Je vais rester un petit peu AFK ici. Nous, on va se laisser là pour le premier épisode. Premier épisode, non. C'est le 16e, d'ailleurs. Sachant que c'est la suite. Et puis, bah, du coup, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. Tranquillement. Voilà, on va attendre que ça pousse. De toute façon, j'attends que ça pousse. Je continuerai la quarry avec vous. Donc, c'est le 32 par 32. De toute façon, quand on met là-dedans, voilà, ça le démarre en startup directement. Et si je veux savoir ce qu'il y a comme fuel... Merde, comment on tape un... Comment on lui demande du fuel? Bon, je ne sais plus son système pour savoir si elle a si elle veut du... combien elle a de fuel à l'interne. Donc bon, c'est pas trop grave. Alors après, il y a juste à exécuter le programme. Au pire, tac, tu fais un 32 par 32 par 32. Et voilà, il te dit le nombre de fuel qu'il y a. Hein. Voilà. Bon, enfin bref. Nous, on va se laisser là tranquillement. Du coup, bisous tout le monde. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas, le pouce bleu, comme d'hab. Faites péter les pouces bleus, ça peut être très sympa. Et puis voilà. Hein? Bon, j'espère que toi tu vas pousser en tout cas. Hein. Nous, on se laisse là. Faudrait que je fasse un chunk loader également. Est-ce que j'ai assez pour faire un chunk loader? Je crois qu'il me faut une under pearl. Ouais, et j'en ai pas. J'ai pas qu'il est d'Underman, donc du coup. J'en aurai pas. Bah tant pis. Hop, je vais rester à AFK. Et puis du coup, bisous tout le monde. Et à la prochaine. Bisous.